Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour les énergies de ce 1er mai 2024. Je vous souhaite à toutes et tous un bon 1er mai, une belle fête de travail. Et moi, tout particulièrement, je me souhaite un heureux anniversaire. Voilà. Alors, petite philosophie du matin. Réveiller son esprit. Profiter de ce jour chômé pour prendre le temps de ne rien faire. L'inactivité physique réveille l'esprit et ouvre de nouveaux horizons. C'est une façon de faire de ce jour un jour plein et essentiel. Se faire soi-même, cette proposition, c'est-à-dire, et si je ne faisais rien? Eh bien voilà, belle philosophie pour ce 1er mai. J'ai pigé aujourd'hui à l'endroit, cette carte à l'endroit. Jalousie, c'est un manque, une insatisfaction. Alors cette carte, eh bien, comme vous pouvez le voir, elle illustre une femme qui tient une grosse perle dans une main et elle a une coupe emplie de pièces de monnaie et de perles dans l'autre. Et on voit que cette dame, elle est debout. Elle est debout dans une pièce de couleur argentée. Et elle regarde au loin une ville dorée. Eh bien, elle mène déjà une vie aisée. Mais elle l'ignore. Et elle aspire à la prospérité éclatante qu'elle voit ailleurs. Au lieu de se sentir heureuse et comblée, n'est-ce pas? Eh bien, elle ne ressent que de l'insatisfaction et un manque, parce qu'elle désire toujours avoir plus. Et cette énergie se reflète, eh bien, dans sa robe. Apprécier ce qu'on a, ne pas apprécier ce que les autres ont. Eh bien, cette carte, elle vient vous dire de cesser d'être jaloux. Eh oui, encore une fois, ça parlera à certains et ça ne parlera pas à d'autres. La jalousie est un vilain défaut, n'est-ce pas? Être envieux, jaloux, c'est malsain. Donc, cessez d'être jaloux et de prendre conscience des bénédictions dont vous jouissez déjà dans votre vie. Il est maintenant temps, eh bien, de changer votre façon de voir les choses. Alors, après tout, quand vous enviez les autres, eh bien, cela ne fait qu'attirer davantage de choses vers eux et non vers vous, n'est-ce pas? Remarquez tout ce que vous avez et remerciez l'univers pour ce que vous avez. Alors il est maintenant temps de cesser de voir ce qui vous manque et d'apprécier ce que vous avez. C'est ainsi que vous changerez la vision de votre vie et appréciez ce que vous avez. Remerciez l'univers de ce que vous avez. Être envieux, c'est une distorsion. Être jaloux, c'est une distorsion. Donc, il faut transcender, il faut nettoyer cette distorsion. Cette distorsion humaine. Aujourd'hui, l'affirmation, je cesse de penser à ce qui me manque. Je regarde avec joie et satisfaction les bénédictions dont je jouis dans ma vie et je suis content. Contente. Quel beau message, n'est-ce pas? Apprécier ce qu'on a et ne pas envier les autres
et ne pas avoir de jalousie. Waouh! Allez, on continue avec le message, on termine avec le message de ton âme. Et aujourd'hui, j'ai pigé faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Voilà le message de ton âme. Très beau message, n'est-ce pas? Encore une fois, je vous souhaite un joli 1er mai. Et puis, eh bien, reposez-vous bien, puisque bon, c'était le message de la petite philosophie du matin. Donc aujourd'hui, reposez-vous, prenez du temps libre pour vous, pour recharger les batteries. Et nous autres, on se retrouve demain pour un nouveau message. D'ici là, portez-vous bien, je vous embrasse et je vous dis à demain.